Good morning, students. Welcome to our new class for design and technology. We are still talking about the design process, part 4. That means the last part of the design process. Today we'll talk about the development, the product planning, and the realization of the model and artifact. So, first part, the development of the selected idea. So we have made three to four ideas. We have proposed three ideas or four ideas or whatever the number of ideas we have proposed. Now we have to select one of these ideas, because we cannot develop all the ideas. We will choose the best one to be developed. Okay. Donc comme tout dessinateur, on propose des idées. Et on choisit la meilleure idée pour pouvoir être développée. Donc, after coming up with several ideas for the problem, so you need to select the best idea. C'est ce que je viens de dire. Donc, par exemple, là, si on a fait trois idées, c'est trois exemples de ce qu'on avait fait. Donc, maintenant, il faut choisir le meilleur. Donc, je vais essayer d'évaluer, de voir un peu qu'est-ce qui est meilleur. Donc, je choisis une idée et je dis pourquoi je choisis cette idée-là. Donc, par exemple, je peux dire, I have chosen idea one because it is good looking and it is easy to produce. OK? Donc, je choisis l'idée 1 parce que ça correspond à mes besoins et que je trouve que c'est plus facile à réaliser. Je peux donner d'autres raisons. Donc, ça, c'est à vous de voir quelles raisons vous allez donner, pourquoi vous avez choisi l'idée. Donc, ensuite, une fois qu'on a choisi l'idée, OK, on peut maintenant développer. Donc, development is refining the selected idea by looking at aspects which can further be improved. Ça veut dire que l'idée que j'ai choisi l'idée 1, ben, il faut que je ne peux pas, il y a peut-être des choses qu'il faut améliorer dedans. Donc, j'ai fait un broad idea, ce qu'on dit, un peu rough, hein, de l'idée. Maintenant, il faut le développer, le rendre plus attrayant. Donc, it requires exploring and presenting the idea in greater detail with annotated sketches and notes to justify changes and refinement. Donc, je vais faire, comment ça s'appelle, d'autres dessins pour montrer ce que je change, ce que j'améliore dans l'idée. Donc, critical decisions such as type of materials and realization methods are made in order to come up with the final proposal. Donc, en même temps que je développe, c'est pas seulement la forme, c'est pas seulement les détails que je raffine, mais aussi je choisis les matériaux idéaux pour faire l'objet. Donc, je fais une petite recherche pour voir comme si quels sont les matériaux que je peux utiliser pour cette idée que je propose. Donc, voilà. This is an example of development, how you should develop your idea, the selected idea. So, this is a chosen idea, idea one. So, how to develop? First of all, we run a refinement. Ça veut dire que cette idée-là, je vais l'améliorer. C'est la même idée, mais que j'ai améliorée. Par exemple, ici, j'ai rajouté peut-être un petit espace ici. Là, j'ai rajouté un espace ici, ok, pour pouvoir mettre peut-être des papiers, ok. Donc, j'ai mis une épaisseur avec les lignes. Là, c'était seulement des lignes. Déjà, j'ai mis une épaisseur. Ici, de ce côté-ci, j'ai rajouté un petit espace ici, là. Ok, donc ça, c'est la base. Hein? Je prends ça et j'améliore un peu. Donc, j'ai peut-être amélioré la courbe qu'il y a ici, là. J'ai amélioré un peu. Donc, je refine. Ok, donc... Ensuite, mais la même idée, j'ai rajouté des dimensions. Hein, j'ai rajouté des dimensions. Je dis, par exemple, cette partie ici, ben, ça va être 100 mm. L'épaisseur va être de 3 mm. Okay? Donc, je donne des dimensions sur les dessins que j'ai fait. Donc, c'est pour ça que je développe. Et en même temps, je peux dire, par exemple, les parties, comment ça va être fixé. Donc, là, j'ai dit, all parts are glued together. Okay? Donc ces parties-là, bon, ils vont être collés ensemble. Je peux même préciser la colle que je vais utiliser. Et en même temps, je précise, donc, all parts will be made of 3 mm cotton. Okay? Donc, je vais utiliser du coton que je vais récupérer peut-être dans les boîtes.
des boîtes de packaging, donc je vais retrouver, donc je fais du recyclage. Okay? Donc voilà un modèle de development. Donc je repars à partir du broad idea, j'améliore l'idée, okay? Je donne les dimensions de l'idée en détail. Je peux donner une façon de donner des dimensions, mais en même temps, je dis comment je vais l'assembler ensemble et en quel matériau ça va être fait. Voilà un exemple de development of idea. Okay. Alors, une fois que j'ai développé, donc j'ai eu une idée finale de la chose, donc je commence le product planning. Ça veut dire comment est-ce que je vais m'y prendre pour le fabriquer. Je vais donner étape par étape comment je vais m'y prendre comme si pour pouvoir fabriquer l'objet. Donc, the best idea has been developed into a final design. The latter is presented in asymmetric view. In order to have a clear picture of how the product will appear, this will help in the making process. C'est ce que je viens de dire là. Donc voilà le dessin final. Ça, c'est mon final avec tous les renseignements dessus. Donc, ça maintenant, je vais peut-être faire un dessin comme si plus propre. Ok, donc en même temps. Donc, in the product planning stage, you need to describe the process that will involve for the making artifact. Okay? The order of the processes, the expected time to allocate to each process, the materials and components that will be required, along with dimension, tools and equipment needed. Ça veut dire, donc, étape par étape, je vais dire quels sont les procédés que je vais faire, quels sont les process, ça veut dire comment je vais fabriquer l'objet, combien de temps je vais prendre pour ça, et quel matériau ça va être fait, et quel outil je vais utiliser. Par exemple, j'ai donné un exploded view, ça veut dire l'objet, toutes les parties, j'ai montré individuellement toutes les parties, comment ça va être. Donc toutes les parties sont là, je peux même annoter, dire je donne la partie A, la partie B, la partie C, la partie B. Par exemple, regardez ici. Il y a la partie H, j'ai mis H et H, parce qu'il y a deux pièces qui sont identiques. Ok? Donc, je peux, à ce moment-là, donner des détails. Par exemple, je peux dire la partie A, quelle dimension ça fait. Peut-être, je peux te donner les dimensions. Ok? La partie B, il y a une pièce. La partie C, voilà, comment ça commence, comment c'est, quelle dimension c'est. Je peux mettre les dimensions, par exemple, la partie G, je peux mettre les dimensions dessus. 250, par 150, ok? Par 150, ici j'ai, je sais pas moi, 50 ici. Ici j'ai 200. Bien sûr, les dimensions sont en millimètres. Donc ça, c'est 100 mm. Donc je peux mettre les dimensions directement dessus. Ça, je peux dire 50 mm. Par, je sais pas moi, 150 mm. Ok, ça c'est 50 mm, pas 50 mm. Donc je mets des dimensions directement dessus. Comme ça, je donne les détails. Ok, donc ça sont des pièces de carton, bien sûr, que je vais découper. Alors ensuite, une fois avoir fait ça, là je peux dire, donner par exemple des détails d'outils. The Measuring and Marking Tool, par exemple, pour mesurer et pour marquer, je vais utiliser Ruler and Pencil. Pour mesurer ces parties-là et pour les tracer. Cutting tool, comment je vais les découper? I will use a cutter. Si je peux utiliser des paires de ciseaux, je dis pair of scissors. Joining agent, par exemple, comment je vais les joindre ensemble? Glue. Ok? Donc, je vais dire peut-être préciser quel type de colle utiliser si vous savez. Donc, voilà. Un modèle de product planning, ce qu'on va faire pour l'objet. Donc chaque partie individuellement, je vais dire quelle dimension ça fait. Donc ensuite, je vais dire étape par étape quel outil je vais utiliser. Donc une fois avoir fait ça maintenant, je peux maintenant commencer à construire mon modèle, ma maquette. Donc using appropriate tools and equipment, the final design is realized. OK? At all times, safe work practices should be respected. Donc, quand on est en train de travailler l'objet, donc il faut respecter les règles de sécurité. Parce que, par exemple, on va se servir d'un cutter. Donc, il faut dire quelles sont les safety measures
Hein, quelles sont les règles de base de sécurité que je vais utiliser pour ne pas me couper la main, pour ne pas me blesser, ou alors pour ne pas comment ça s'appelle, gâter mon travail. Donc, during the realization, the final design drawn on paper is transformed into a three-dimensional product that will be able to satisfy the need problem describing the solution, the situation. Donc, je vais maintenant construire l'objet lui-même. Donc, par exemple, je peux monter des photos de chaque étape mentionnée. Par exemple, measuring, je peux monter une photo. Comment j'ai fait pour mesurer? Marking out, comment j'ai fait pour mark out? Cutting, comment j'ai fait pour couper? De tout ce que j'ai dit de planning, j'ai dit par exemple, je mets une petite photo. Comment j'ai fait pour couper? Si j'ai utilisé par exemple un scalpel, ce qu'on appelle un craft knife en anglais. Comment j'ai fait pour coller, okay? Et à la fin, j'ai une idée finale. Donc voilà, step by step, measuring and marking out. Donc ça c'est un modèle qui a été fait. Par exemple, measuring and marking out, cutting, voilà les pièces individuellement comment c'est fait. Et montrer étape par étape, voilà, une fois que c'est fait. Donc maintenant, on peut montrer le finishing. Comment je fais pour finir l'objet? Je rajoute peut-être coller du papier. Si je veux peindre dessus, je peux le peindre. Voilà l'objet final. Les pièces que j'ai rajoutées. Voilà, final. À quoi ça ressemble. Je peux même mettre des objets dedans. À la fin, monter une petite photo. L'objet fait, fini. Donc voilà, ça c'est un exemple d'un modèle qui a été réalisé. Déjà. Donc ça, c'est l'étape realization. Voilà, donc ce que vous devez en principe pouvoir faire chez vous, vous pouvez vous faire aider, mais donc on a vu aujourd'hui development, planning et realization, ce qui met fin à ce chapitre de design process. Donc vous pouvez vous servir de ce matériel-là pour pouvoir faire votre propre modèle. Donc n'oubliez pas de mettre des photos, hein, de chaque étape. Et de bien planifier votre travail pour ne pas vous blesser. Voilà. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour une autre leçon.